Nathalie Dreyfus nous a ouvert les portes de son cabinet qui conseille en matière d'innovation et de propriété intellectuelle. Sa mission, protéger des brevets, des dessins, des modèles, des marques, bref, des idées. Originaire de Strasbourg, elle exerce maintenant sa profession depuis Paris. Ah, tous les projets m'intéressent, hein, puisqu'en fait on est sur la création, que ce soit de la création industrielle ou artistique, tout m'intéresse. Et quand je crois à un projet, je suis vraiment à côté de l'inventeur pour l'aider à se développer et à protéger et à diffuser sa création. Très vite, elle s'est spécialisée dans la défense des marques sur Internet. Fidèle aussi à ses origines alsaciennes, elle enseigne aux étudiants en master à l'Université de Strasbourg un cours de droit des réseaux sociaux et la propriété intellectuelle. Beaucoup de challenges dans la façon dont on appréhende les métiers du droit qui sont en train d'évoluer avec l'intelligence artificielle notamment, et puis également sur l'Internet, la façon de se défendre, l'accès à l'information, la diffusion des informations, les fake news, ça nous touche tous. On est tous touchés par ces problématiques et par ce qui circule sur l'Internet. Nathalie Dreyfus a toujours aimé écrire. Elle est d'ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages et articles dans la presse professionnelle et alimente un blog sur l'actualité juridique relative aux droits des marques, des brevets, des droits d'auteur, de l'Internet et des nouvelles technologies. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.